Le jeune boxeur namibien Jonas Jonias, soupçonné d'agression sexuelle au JO, a finalement pu combattre jeudi contre le français Hamzile Hassan pour les 16e de finale. Un combat qu'il a perdu. Le porte-drapeau namibien avait été arrêté le 8 août au village olympique après qu'une femme de ménage a rapporté avoir été agressée sexuellement par le sportif de 22 ans. Selon les médias brésiliens, le jeune homme lui aurait proposé de l'argent en échange de relations sexuelles. Le boxeur de la catégorie des moins de 64 kilos a été libéré grâce à l'intervention de l'ambassade namibienne au Brésil.